Et yo tout le monde, c'est les voitures, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis, mais les gars, mais aux anges, j'ai un truc de fou. Regardez, regardez ce qu'on va jouer, regardez ce que j'ai croisé, regardez ce que j'ai fumé. Mais vous imaginez même pas le bon. Bon, évidemment j'ai troll une game, sinon c'est pas drôle, mais regardez. Regardez-moi ce défi. Première game, je suis sur Pékin. Première game, golem. Déjà c'est carré. Deuxième game, Geoelec. Like. Troisième game, Geoelec. Like. Cinquième game, golem clone. Oh là là. Donc vous l'avez compris, évidemment, on va jouer ce petit deck PK. J'en ai ras le cul des Geoelec, mais vraiment j'en ai par-dessus la casquette. Du coup, je me suis dit pourquoi pas jouer ça avant que la vidéo commence. On n'oublie pas évidemment dans la boutique si vous voulez acheter des offres, des gemmes ou le pass tout simplement. On n'oublie pas le petit code créateur lémantique qui disparaît tous les 7 jours. Donc il faut le remettre, vérifiez bien à chaque fois si vous l'avez, si vous voulez me soutenir. Et puis voilà, nous on est parti directement pour continuer ce super défi. J'espère juste, je vous en supplie, que maintenant que j'ai lancé le record, on va pas croiser que des molosses. Donnez-moi tous les Hit Giant. De toute façon, on va clear. Rejoignez le mouvement, les gars. On va clear les super défis de... Non. Ce serait pas de... Oh, ce serait pas du molosse quand même. Ce serait quand même pas du molosse. Ils oseraient pas nous faire ça quand même. Là, je vais juste péter un câble en fait. C'est quoi cette merde là? Après, on a eu un bon début de partie. Bon, évidemment, le mec est retard. De toute façon, il n'y a que des joueurs nuls. Tout le monde est nul sur ce jeu maintenant. C'est plus un jeu de... C'est juste un jeu de match-up. Un jeu de spam. Il n'y a plus un qui va. C'est un peu la merde. On va laisser les dragons. J'hésite à mettre mon Ewiz, mais il n'y a aucune raison de le poser. Surtout s'il y a un dragon de l'enfer en face. Donc on va garder évidemment nos anti-aériens au maximum vu que c'est du molosse hein. C'est pas comme si je croisais deux golems. Mais non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de baiser, putain, j'y crois pas. J'y crois pas, mais c'est quoi cette... Allez my brothers, tu dégages. Alors toi tu vas grind ton BM frérot. Mais d'une violence. Alors toi mon petit pote. Oh là 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 là. Ouais, c'est un trop coucou qui part hein. C'est juste un 3 coucou des Famax. Vas-y, donne-moi des molosses. J'ai bien compris que tu voulais pas que je tourne de vidéo aujourd'hui. Là, je lance un... Non, mais il faut que je vous explique quand même. Que vous comprenez. Parce que, en gros, là, juste avant, j'ai joué Méga Chevalier. En gros, Méga Chevalier qui a un gros counter dans la méta et qui est très très efficace. Le problème, c'est qu'il y a deux points faibles. Donc, il y a le PK. Mais ça encore, ça peut se négocier. Et il y a le Geoelec. Le Geoelec, c'est impossible. C'est genre 90-10 ou 80-20. C'est impossible de le gagner avec MK. J'en ai croisé deux en 4ème. Donc autant vous dire que bah il n'y a pas de vidéo. Parce que si vous voulez juste me voir éclater mon écran en live. Bah pourquoi pas. Mais là je lance première game molosse. Non, c'est du foutage de gueule. Alors que j'ai croisé tous les golems et les Hit Giant avant. Bon, au moins ça c'est fait. Molosse c'est next. Il y a quoi qui pourrait être relou? Arkix. Allez, vas-y Arkix. Voilà, on annonce direct match-up relou Arkix. Comme ça c'est fait, il n'y a même plus de surprise. Hop, bonne chance à toi Graham. Et que le plus lune gagne. Allez, on va commencer par BM. Battle de squelette. Ah, qu'est-ce qu'il a alors à nous proposer? Dark Prince fond du terrain. Il y a trop de nerfs à faire en fait. Arrête. 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 Arrête, non, arrête. Ne me dis pas quand même que ce serait deux... Ah, ce serait vraiment incroyable qu'il y ait deux molosses d'affilée quand même. Non mais gros. Mais gros, mais stop! Stop frère, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Oh là là. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi cette poisse? Bon bah très bien. Très bien. On va continuer de mettre la pression. Ah, j'en ai rien à faire. Et là les gars, mais là je le BM jusqu'à la fin de ces jours. On va pas boule de feu, ça sert à rien. On va juste le BM, voilà, tranquillement, jusqu'à la fin de sa life. Je sais pas si on va rajouter... Ok. Bon, tranquille. Tranquille. On va essayer de défendre un petit peu. Peut-être potentiellement éviter le coup de ballon. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on a défendu au maximum. On a défendu pendant au maximum les roquets. C'est... J'en reviens toujours pas. Je n'en reviens toujours pas. En vrai, ça fait une belle vidéo. Ça, j'avoue, pour le coup, que ça fait une belle vidéo. Mais après, si je mets un Cavabelli, il a pas encore ses barbares. Comment il fait là? Il a récupéré ses barbares ou pas? Non, je crois pas. Hein. Il va devoir zap, hein.
Oh là 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 là, let's go. Alors, my brothers, on a un petit problème de cycle là. Oh là là, je suis tellement heureux de fumer tous ces molos, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va kite ça à l'opposé tranquillement. Et on va en profiter pour lui forcer ces, ces petits barbares là. Ah, bah ça c'est con ça. Alors ça... Alors ça c'était con de faire ça. Ok, on va défendre tranquillement. On a toujours le cava bélier, c'est ça qui est bien avec cette version comparée à la version bélier de combat. C'est que contre les ballons, c'est beaucoup plus simple. Bah regardez par vous même hein. Regardez tout simplement par vous même Eh le 3 coucou qui va partir, mesdames et messieurs. Oui 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 oui. 58 points de vie, 3 couronnes. Hop là, et de 2. Et de 2. Un troisième peut-être? Allez-y, hein. Allez-y, allez-y. Moi, je vous attends. Il n'y a aucune tricherie, vraiment. Genre là, je vous remontre. Je fais des games hors live tranquillement pour commencer le super défi. Je lance le record. Voilà. Ok, hein. C'est pas grave. Ok, bonne chance à toi. Ouais, est-ce qu'on se fait pour la vidéo un petit PK first play ou pas? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, pourquoi? Parce que si je joue Golem ou E-Giant, j'ai envie de tryhard et de poser du bon côté. Par contre, on peut peut-être poser une voleuse. Ah, let's go! Oui, 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 oui. Non? Quoi? Attends, hein, un prince? Non, c'était pas prévu, ça. Un prince? Attendez, mais c'est quoi, Prince Bomber? Qui est-ce que ça peut bien être? Quoi? Alors, on va lui faire croire qu'on n'a pas de boule de feu. Alors, en vrai, il n'y a même pas besoin de boule de feu, je pense. Hein. Oh là là, c'est du golem. Oh, c'est du golem clone. Je vous jure, les gars, c'est du golem clone. Oh non. Oh, c'est le 3 coucou qui part, là. Oh, il a posé les chauves-souris. Oh, l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ciao, je crois. C'est une fin de carrière pour notre adversaire. Hein. Ah, les joueurs golems, hein. Les joueurs golems, toujours dotés d'un QI exceptionnel. Hein. On est en pleine immersion dans les joueurs golems. Safari, joueurs golems en super défi. Ah, ça fait plaisir. Oh, vous imaginez pas comment ça me fait plaisir. Parce qu'ils font toujours, contre moi, ils font toujours ce genre de plays. Je vous rabâche toujours que, certes, ça passe contre, enfin, à ce moment-là, contre moi. Parce que d'habitude, je joue des deck cycle, donc ça peut passer. Mais si j'ai un, si moi j'ai un counter, si j'ai la bonne main, ben forcément, le mec, il se fait juste fumer ses grands morts, en fait. Genre, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. Ok, ça c'est parfait. Oh, un petit E-Giant. Oh, c'est la meilleure vidéo. Je vous jure, c'est la vidéo du bonheur, genre. Si c'est... Ah, quoique, c'est peut-être la version que j'ai croisée tout à l'heure avec des squelettes. Ou alors c'est GR. Je sais pas. Là, je sais pas encore, j'avoue, si c'est... Si c'est Géant Royal ou E-Giant. Ça peut être E-Giant. E-Giant squelette, ça se voit assez souvent. Mais oui, let's go! La 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 la! Mais oui! Mais oui, monsieur! Oh, encore, encore du même, encore, encore. Oh là 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 là. Mais c'est la meilleure vidéo. Ah, j'espère que ça vous fait plaisir, hein, aussi de me voir mettre des gros 3 coucous à ce genre de joueur là. Ah, ça me rend, oh, ça me fait tellement plaisir. Ok, bah c'est continu. On part en 3 couronnes. Hop, la direction 3 couronnes, si on peut rechanger pour le PK. Ah, dommage. On va peut-être le mettre mid-life. Mais on va pas aller plus loin. Peut-être si on avait un changement d'aggro, dans tous les cas, il y avait le Dark Prince derrière. On va mettre un petit T-Wiz. J'ai pas trop peur de son dragon de l'enfer, donc on va se permettre. Et ça sert à rien qu'on mette après ce Ténébreux. Il y a encore la cage Goblin qui va sûrement poser d'ailleurs, parce que je vois pas ce qu'il peut poser d'autre. Peut-être une mamie sorcière. On va bien voir ici, là. Non, voilà, la cage Goblin, parfait. Est-ce qu'on se permet de faire ça? Oh oui. Oh oui, qu'on se le permet. Oh, bien sûr que oui, on se le permet. Oh là, ça c'était moins ouf quand même. Non, j'espère que je vais pas me faire karma. Non, 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 pas un deuxième. Pas un deuxième fail, les gars. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ok. Au moins ça gratte. Ouais, ça gratte bien.
Et il est obligé de défendre chacun de mes dégâts en plus de ça. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, le frérot, il est perdu. Ça me termine. Bon, allez, faut quand même qu'on aille le 3 couronnes. C'est pas tout ça, mais... on a d'autres games à faire, nous. Cash Goblin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mec! Ah, oh, je suis mort, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, le cochon! Le cochon peut-être pour la victoire! Oh, il faut qu'il mette un coup, je crois. Allez, les petits cochons. Allez, allez, les petits cochons. Ouais, les petits cochons. Les petits cochons, mesdames et messieurs. Le 3 couronnes qui part après le golem. Attendez, mais on fait les comptes là. On est à combien? On est à 3? On est à combien de games déjà? On est à 8 games. 9 games. On est déjà à 9 games. 1, 2. 3 golems et 3 e-giants. Même plus? Non, c'est ça. Oh la dingue. Non, plus. 1, 2, 3. Et 1. Mais c'est un truc de ouf le nombre de e-giants par contre. Oh, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin bref, on est à 8-1. Toujours avec ce petit deck PK. Il faut jouer ce deck, les gars. Tester ce deck, absolument. C'est vraiment une dinguerie. Là, on a fait 4 victoires en 10 minutes. Les mecs ne savent pas jouer. Là, c'est le moment, si vous voulez maxer votre compte ou quoi, vous prenez ce deck-là, vous apprenez à le jouer rapidement. J'ai fait plein de vidéos en plus sur PK. Vous avez plein de vidéos sur, même sur d'autres chaînes YouTube américaines ou allemandes. Vous avez plein. C'est vraiment un deck très populaire. Et faites-vous plaisir, les gars. Farmez ces super défis. Farmez-moi ces petits noobs. Ok, on est parti directement dans la game. On a enfin trouvé une petite partie. Et ça promet du beau jeu. Petite voleuse dès le début, là. Ouh, petit... Mais attendez, mais on est à 8 victoires, quand même. Hein. 8 victoires, normalement, les mecs devraient commencer à se calmer un petit peu. Jouer un peu plus sérieusement. Ça, c'est honteux. Hein. Le prince qui va défoncer ma voleuse. C'est carrément honteux. On va mettre un petit dash, quand même, s'il rajoute pas de petits sorts. Hop. Toujours ça de prix. 300 dégâts de gratos sur la tour. On va cycler un petit feu. On va garder notre Dark Prince au cas où. Alors, boule de feu. Boule de feu. Ah, dommage que j'avais pu la... Alors, je pense que je peux me permettre. Hein. Vu ce qu'il vient de mettre, là... j'arrive pas à savoir ce que c'est, hein. Oh, rapproche de la tour. Oh oui, frérot. Oh oui, ça commence bien, ça. Est-ce qu'il va essayer de le protéger? Oui. Évidemment. Aïe. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait très mal, même. Allez, hop, ça c'est gratuit, ça. Ça, c'est la maison qui régale. Les cochons, hop. Quadruple cochon. On va gratter la tour tranquillement. Oh, la mamie qui est trop forte, le Dark Prince qui est trop fort, la foreuse qui est trop forte. Il y a trop de cartes trop fortes. Hein. Le géant ailé, qu'on va même pas en parler. Hein. Parce que vous avez compris mon avis là-dessus. Et je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est du double prince, chauve-souris, gobelin. Ça peut pas être du géant, ça peut pas être du mortier. Ça n'a aucun sens. Hein. Bah, écoutez, on va faire ça. Hein. Voleuse. Ouais, c'est une sorte de bridge spam double foreuse. Inversé, on sait pas trop. Ah, ça c'est un peu con, ça. Ça aussi, ça aussi. Ok, encore. Oh, il l'a raté. Non, il l'a raté ou pas? Ah, j'ai cru qu'il l'avait raté. Oh, ça va splash sur la tour. Eh non, c'est récupéré au dernier moment. Attention quand même, ça peut aller très vite. Surtout si on rajoute un petit fût de l'autre côté. Ok, hop, parfait. Et ce coup-ci, du coup, il a plus la foreuse. Et là, c'est le moment. Il a plus la foreuse goblin, ça veut dire qu'il a plus rien pour arrêter. Je crois qu'il a pas de bûche. Hein. Et du coup, le Kava Bélé qui devrait tracer tout droit. Allez, allez, frérot, let's go. On va les dire bien joué. Franchement, son deck est original. GG à lui pour avoir essayé. Je l'ai jamais vu. Hein. Jamais vu, jamais croisé. C'est une sorte de... Ah si, ça me fait penser au géant gobelin un petit peu. Pour ceux qui voient un peu le deck, géant gobelin, double prince...
Alors, il a rarement été méta, mais. Mais c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à ce deck-là. Et du coup, bah, la foreuse à la place du géant gobelin. Ok, petit esprit de glace. Est-ce que ce serait le moment de l'Arc-X ou pas? Oh non, même pas. Petit Logbait. Logbait, faut que je me concentre. Puisqu'il faut vraiment se faire gratter le moins possible de dégâts bêtement. Puisque ça va être très très compliqué de passer. Ok, petit PK fond du terrain. Il va sûrement mettre une princesse au pont. Ok, non, il la met de l'autre côté. Est-ce qu'il joue Tesla? Est-ce qu'il joue Tour de l'Enfer? En général, c'est plus Tesla en ce moment. Puisqu'elle fait beaucoup plus de value, tout simplement. Alors ça, par contre, ça va faire très très mal, frérot. Ça, tu vas regretter, je pense. Ok. Vite, vite, vite. Allez, 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 allez. Oh, attends. Peut-être, peut-être, peut-être. Oh, ça va tout droit. Oui, ça va tout droit, carrément. Oh non. Oh, la chatte. La chatte, la chatte, la chatte. Après, si je peux faire ça. Garder mon fût. Oh, c'était de la merde. Il reste un. Il en reste un. Il reste un putain de gobelin. Dommage. On va gratter quand même quelques dégâts. On peut pas éviter, on peut pas. Il a été trop rapide. Ouais, voilà, là il a compris qu'on avait pas assez d'élixir. Du coup il spam. Amuse-toi frérot. Dans tous les cas j'ai bien gratté moi. Je suis content de mon move. Il y a plus. Et du coup c'est tour de l'enfer. Donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle par contre. Pas du tout du tout une bonne nouvelle. Non. Pourquoi il a attaqué l'autre en premier? Bon c'est pas grave. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Est-ce qu'il va... Il va sûrement... Princesse, non? Alors, on a vraiment pas eu le bon cycle, hein, pour le coup. On va mettre le PK de ce côté, on évite de le mettre du même côté, parce que sinon on peut se prendre une roquette sur le PK qui peut faire mal. On prépare Lee Wiz. Voilà, pour ces raisons-là. Et là, il faut réussir à distraire comme on peut. Aïe. Bah là, c'est la merde. Là, les gars, c'est l'attaque. Non. Non, 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 non. Non. Allez, casse-toi. Allez, le Dark Prince fait quelque chose. Non, il joue tellement bien. Oh, encore, encore. Ok, c'est peut-être pas perdu. Allez, 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 allez. 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 Non! Oh non! La roquette ne finit pas, mais c'est chaud! C'est chaud, c'est tellement chaud, putain! Oh là 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 là! Comment je vais m'en sortir? Il va juste roquette cycle, hein. Je peux plus refaire un gros push. Ah, c'est fini là. Honnêtement, je pense que la game est pliée. Hein. Très très honnêtement là-dessus. À part si j'arrive à faire un truc comme ça, genre. Ok, ok, on a les deux, on a les deux. Est-ce que même avec ça, ça va suffire? Allez, 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 encore. Ah, dommage. C'est tellement tendu. Non, il est bien. Ok, je l'ai. Ah, je peux pas passer là. Il a juste à bloquer et c'est fini. C'est terminé. C'est une fin de carrière. GG. GG à lui en tout cas. Non, franchement, il a bien joué. Il a fait une grosse erreur quand même au moment où il a collé la tour de l'enfer et le chevalier. Dans cette vidéo, on s'est quand même bien régalé. On a eu les deux molos en début. On a réussi à gagner. Derrière, on a eu Golem, E-Giants. Non, franchement, c'était une très très bonne vidéo. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si vous voulez un autre épisode. On nettoie les super défis. Il faut que je le finisse de toute façon. Je sais pas avec quel deck je le finis et je vais finir ce super défi, mais il faut que je le finisse. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était Lemonty. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.